Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à vous dans la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Et ce soir nous sommes mardi, donc nous parlerons nouvelles technologies avec les jeunes de l'association Webash. On parlera peut-être aussi un petit peu de la Russie, on verra. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le mardi 22 février 2022 et voici les titres de ce journal. Initialement prévu le 24 février prochain, le lancement de la campagne sucrière risque d'être reporté. Les planteurs dénoncent l'augmentation de 3,60 € votée pour les opérateurs de coupe sans les consulter. La ville de Pointe-à-Pitre, elle, entre dans son plan de redressement. Pour revenir à l'équilibre, la municipalité doit faire quelques sacrifices. Nous ferons le point. Et en fin d'édition du rugby avec le Stade Toulousain qui poursuit la transmission de son jeu aux jeunes de Guadeloupe. Et notez avant de développer ces quelques titres que hier, le président russe Vladimir Poutine a officiellement reconnu l'indépendance des républiques de Donetsk et de Lugansk, légitimant ainsi une éventuelle offensive militaire dans ces territoires russophones situés dans la région ukrainienne du Donbass. La région du Donbass, qui, on le rappelle, est en guerre depuis des décennies, encore plus depuis les 8 dernières années. En tout cas pour Joe Biden, le président des États-Unis, il est encore temps d'éviter le pire en Ukraine. On attend de voir qu'est-ce que les pourparlers vont donner. La campagne sucrière devrait démarrer le 24 février prochain. En attendant, les planteurs dénoncent l'augmentation de 3,60 € votée pour les opérateurs de coupe. Un coup bas de la part de leurs représentants syndicaux qui n'auraient pas pris la peine de les avertir ou même de les consulter. S'ils n'obtiennent pas satisfaction tant sur le prix de la coupe que sur celui du transport, la récolte ne démarrera pas. Le reportage. Nous l'avons matin là parce que tout d'un coup, récolte, il y a annoncé récolte le 24 février. Tout d'un coup, sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, nous constatons qu'il y a une diffusion d'augmentation pour les opérateurs de coupe de 3,60 €. Or, nous constatons aussi que c'est les syndicats qui sont censés représenter les professionnels de Cannes, qui sont censés défendre nous, qui signent l'augmentation. Là, ça. Sauf que, pour planter pas au courant ça, pour me pas au courant ça, et 3,60 € là, si on y a d'un prix en les planter, nous allons arrêter de couper canne parce que c'est que qu'on dit au prix que vient s'en avouer. Ça qui l'a d'accord pour dire non, mais en même temps, nous peut pas dire nous pas d'accord augmentation à ces messieurs, augmentation à terre de coupe. Yo libre de demander augmentation à yo, hein. Mais si on augmente nous, yo, faut yo augmenter nous en côté. Faut parce que j'en ai plus de 20 ans qu'un prix à canne gelé. Et ces messieurs, yo couper canne. À la tonne yo paye, nous payons à la richesse. Et son notre débat encore à faire à la richesse là, parce que yo ka paye à la richesse, mais on pas ni pour contrôle si ça. Pas ni pour contrôle si ça. Là, on vend quand on a yo point richesse là, yo a richesse là, c'est prochain 14 ans ou bien on peut pas savoir exactement si qu'on a fait. Et ce problème là, ça y était ni à Sibéron l'année passée, ça fait un paquet de désordre parce qu'il y a ni des richesses yo ba moun qui est vraisemblable et moun ba bien pour ça. C'est opérateur là. Ils ont demandé entre 1,50 € à 2 €. Et Alex Bandou, avec Gasson Raman en Gassami, soit-disant qu'il a représenté planteur, Philippe en Gassami, ils ont proposé 3,60 €. Et tout ces gens-là, même, ils ont trouvé étonné. Soit-disant qu'il a représenté planteur, mais il n'a pas représenté planteur. Il a eu au nom à l'opérateur. Il n'est pas question que le record commence avec 3,60 € dans les deux nous. Il est hors de question. Là, nous avons montrer insatisfaction nous. Mais si nous avons d'autres bêtises, nous que faire. Si nous pas attendre nous, nous avons quelqu'un qui pas démarré. Pas ni bien qui ça. Allez là, si vous pas vous avez un avec slip en l'air pendant vous habillé. Vous avez dit que non, vous ne pouvez pas signer. Vous avez demandé, madame, vous avez pensé de ça. Voilà. Et après ça, vous avez dit, monsieur, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Il faut nous faire autrement. L'année là, ça n'est pas question qu'on ait une augmentation du prix de la coupe et de transport à Cannes. En nous montrant un dossier, nous avons et la région Guadeloupe, on ouvre l'État français, nous contribuons parce que la convention Canada a renégocié encore les hommes. C'est à l'air là pour nous travailler. Mais pour l'année là, ça, pas question. Stanley Manicor.
Et en fin d'année 2021, la ville de Pointe-à-Pitre a signé un contrat d'engagement réciproque préalable au contrat de redressement avec l'État. Ainsi, la ville bénéficie de l'appui de la préfecture durant 3 années, techniquement, humainement et financièrement. Après le paiement d'une subvention exceptionnelle de 840 000 euros en décembre, l'heure du plan de redressement a sonné. Pour remplir ses objectifs et revenir à l'équilibre, la municipalité devra se séparer de quelques biens patrimoniaux. De son côté, la préfecture va faciliter le recouvrement de dettes dues à Pointe-à-Pitre. Le reportage. On s'est engagé dans une démarche de redressement et d'appui aux collectivités qui le souhaitent et qui étaient en difficulté financière, mais pas seulement financière, structurelle aussi, comme c'est le cas de Pointe-à-Pitre. Et donc là, après le diagnostic que nous avons fait ensemble, après un premier appui que nous avons donné à la ville de Pointe-à-Pitre avec une personne que nous avons mis à disposition de la collectivité, et puis avec une aide financière que nous avons octroyée en fin d'année dernière, et bien là, nous passons à la phase la plus compliquée, mais aussi la plus concrète, c'est-à-dire le plan de redressement que nous allons conduire avec la ville de Pointe-à-Pitre, ou qu'elle va conduire avec notre appui plutôt. On connaît la situation financière et structurelle de la ville de Pointe-à-Pitre, de la commune de Pointe-à-Pitre, et à partir de là, on a élaboré ensemble une stratégie qui va viser premièrement à faire un point sur la structuration, à faire un point sur un certain nombre de recettes que la collectivité n'a pas comme il le faut ou n'obtient pas comme elle le doit. Il y a un certain nombre d'éléments de patrimoine de la commune qu'elle doit céder aussi, puisque ça va lui permettre de retrouver une certaine capacité financière. Et puis on l'appuiera avec une subvention exceptionnelle de 840 000 euros par an, comme on l'a déjà fait l'an dernier. On le fera cette année et on le fera l'année prochaine si la commune suit ses engagements. Voilà, c'est un ensemble en fait. Hein. Vous voyez, c'est pas seulement un appui financier. On a déjà essayé dans le passé de faire juste un appui financier. Ça s'appelait les plans cocardes. Les plans cocardes, ça a marché un an. Et puis après, on s'est aperçu que les communes, si elles ne restructuraient pas leur niveau budgétaire, ne parvenaient pas à se redresser. On ne me demande pas de faire mes preuves seules, parce que des fois, on vous met au défi de faire vos preuves, mais on ne vous aide pas. Là, l'État nous dit qu'il faut que le Pointe-à-Pitre revienne à l'équilibre. Nous, on vous aide. Mais vous aussi, voilà les contraintes. Réduire la masse salariale, tout en reconnaissant le besoin pour Pointe-à-Pitre de renforcer son encadrement, puisque c'est une ville qui a 98% de catégorie C. Donc on a besoin d'encadrement, puisque quand il n'y a pas de guide, quand il n'y a pas de manager, les services sont un peu livrés à eux-mêmes. Donc on nous aide, on nous donne les outils parce qu'on nous prête une assistance technique. On a déjà Mme Emmanuel pour les finances. L'État va nous prêter au niveau de la Direction générale des services encore quelqu'un qui viendra pour réorganiser les services et remettre le goût du travail et sortir d'une certaine inertie. Et donc avec ces deux supports et la possibilité qu'on aura de recruter un directeur des services financiers, un directeur des ressources humaines pour remettre les carrières à jour et remotiver le personnel, je suis confiant que dans 2 ans, Pointe-à-Pitre redeviendra la pointe en pointe. Nous avons un plan pluriannuel d'investissement. Ce plan pluriannuel a sélectionné les investissements urgents, prioritaires, et qui concernent les écoles, la voie publique, les trottoirs, l'état des bâtiments et monuments qui sont protégés. Et donc la Renaissance à côté de Cap Excellence, la place de la Victoire, le complexe sportif Michel Benjamin qui a besoin d'être clôturé, protégé. Il y a beaucoup à faire à Pointe-à-Pitre, mais on ne peut pas dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Donc il faut que nous puissions à la fois dégager un peu d'autofinancement pour pouvoir bénéficier de l'aide que propose l'État. Cette aide est conséquente, mais nous devons aussi compter sur nous-mêmes. Et ça passe par une gestion rigoureuse. Et ça, je n'ai pas de problème. J'ai été DGS dans une vie antérieure. Et je sais que pour redresser une ville, une collectivité, il faut de la rigueur. Il faut certainement être généreux quand on peut. Mais on ne peut pas faire de chèque sans provision. Un reportage d'Olivier Félix. 25 000 masques et autotests sont mis à disposition des groupes de carnaval pour les parades. Un geste apprécié par les fédérations organisatrices qui gardent tout de même les pieds sur terre et savent que l'application des mesures sera très compliquée. On fait le point. On va parler de protocole sanitaire.
Le but, c'est bien de protéger la santé de tous, et aussi bien des carnavaliers que des spectateurs. Donc il y a déjà des groupes qui appliquent clairement le protocole qu'on a défini ensemble, qui réalisent des tests, soit par autotest, soit en laboratoire, en pharmacie. Le but, c'est de mettre tout le monde en condition de se protéger. Voilà, aussi bien les groupes qui défilent que les spectateurs. J'apprécie le geste. Hein. Il sera l'important, pas important, c'est surtout le geste. Parce que je sais pertinemment, comme je l'ai déjà dit, les gens, les spectateurs, je ne les vois pas garder le masque de 14h jusqu'à 21h, 22h. Donc le geste, effectivement, bien, j'apprécie ce geste. Donc on va demander à la population et aux carnavaliers de le porter. Mais bon, ce ne sera pas évident. Les autotests, c'est-à-dire que les groupes au moins, enfin, même si on n'en a pas pour tous les groupes, enfin, on pourra quand même aider de manière à se tester. Même nos fédérations s'autotester avant les manifestations, et si jamais il y aurait eu en tout cas quelqu'un de positif, de manière à un peu écarter le danger. Voilà. Ben, les autotests, là encore, c'est aussi la même chose. Donc ça sera bien, parce que je sais que surtout dans les groupes à Kessler, ils ont notamment la double face, il y a Original, les consorts qui font faire des tests à leurs adhérents dans leur local. Mais quand je prends par exemple, quand Akiyo, par exemple, hein, qui a au moins 3000 personnes, est-ce que vous pensez qu'il pourra faire 3000 personnes entrer? Donc il faudrait qu'il commence la veille pour pouvoir finir le lendemain à l'heure du départ du défilé. Bon. Le geste, donc on va se contenter du geste, effectivement, qu'on apprécie ce geste. Et bon, ben, et que derrière, effectivement, qu'on n'ait pas, qu'on puisse plus ou moins détecter le plus de monde qui sont positifs pour ne pas contaminer les autres. Comme vous l'avez entendu, on a cette association de prévention qui nous donne 100 000 masques pour les enfants. On donne en tout 25 000 masques au niveau de l'État, 17 000 pour les adultes, 8 000 pour les enfants. C'est des demandes qui ont été faites soit par les fédérations, soit par les collectivités. Après, ce sont les organisateurs qui sont responsables de la répartition des masques, soit sur des points de distribution, soit au sein des fédérations. Ben pour les masques, ça va être une distribution. Nous, on va faire une distribution précisément sur les groupes qui sont sur la Basse-Terre en général. C'est, on va dire, à peu près sur toute la Basse-Terre. Et vieux habitants, y compris vieux habitants Bouillante, jusqu'à Pointe-Noire. Et donc, on fera une évaluation de savoir combien de mandants qu'ils ont. Et puis, on va voir, ce sera deux boîtes, trois boîtes en fonction de ce qu'ils ont. On va donner ce qu'on a et voilà. Hein. Il faut quand même, je pense que c'est un très beau partenariat et ça contribue quand même à aider le monde carnavalier. Ça évite en tout cas l'achat de masques, parce qu'on sait très bien quand même, c'est un coût. Et ça va aider tout le monde carnavalier dans cette opération, va aider tout le monde. Et que vous soyez victime de violences physiques, harcèlement ou discrimination, l'association France Victimes Guadeloupe se tient à vos côtés. La structure accompagne les usagers dans leur parcours judiciaire, leur mise en sécurité et leur reconstruction. Plus de précisions dans ce reportage de Charlie Dagonia. L'aide aux victimes, c'est l'accompagnement par des professionnels pluridisciplinaires, que ce soit psychologues, juristes, intervenants sociaux, pour accompagner donc les personnes qui sont victimes, que ce soit victimes de violences, victimes de harcèlement, victimes de discrimination, toutes les personnes qui sont victimes. Notre rôle, c'est de les accompagner de la plainte au pénal et avec un certain nombre d'étapes qui vont faire partie du parcours de la victime qu'on peut expliquer sur plusieurs temps, c'est-à-dire soit la mise en sécurité, il y a aussi préparer la procédure pénale et puis être indemnisé pour finir et se reconstruire. Notre premier outil est avant tout l'entretien, hein, un entretien qui est formalisé, où nous allons tout d'abord écouter la personne au regard de ce qu'elle a à dire sur ce qui lui est arrivé, pour ensuite pouvoir, au niveau des différents volets de sa situation, essayer d'investiguer au plan social, au plan juridique et également au plan psychologique, les différents donc, éléments qu'elle peut rapporter de la situation qu'elle a vécue. Nous prenons en charge les personnes aussi pour les aider à s'insérer, notamment par le logement, puisque quand il y a effectivement des violences ou autres, eh bien, on peut proposer cet accompagnement-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'aide aux victimes, ce n'est pas seulement un accompagnement
physique, il y a aussi des supports qui sont mis en place. Cette journée du 22 février est pour nous importante puisqu'elle nous permet de pouvoir toucher le plus grand nombre au regard de nos missions. C'est peut-être un peu paradoxal, mais je pense que tout un chacun peut potentiellement être victime dans sa vie ou a même été à un moment donné victime, sujet à un événement qu'il a subi, mais sans pour autant être en capacité de pouvoir justement saisir ce qui lui arrive et parfois même la gravité de ce qui lui arrive. Donc l'important pour nous, c'est de pouvoir justement communiquer aussi bien auprès du public qu'auprès de nos partenaires pour qu'ils puissent connaître beaucoup mieux l'initiative France Victime. À partir de là, pour les partenaires, nous faire des orientations, pour les victimes, soit venir spontanément nous rencontrer et pour nous pouvoir justement répondre à leurs demandes. Et puis, il y a la plateforme d'appel 0800 39 19 19 en Guadeloupe. C'est donc la plateforme d'écoute pour toutes les victimes qui souhaitent nous joindre et qui souhaitent parler. Alors, de façon anonyme, c'est pas spécialement, et voilà, il ne faut pas forcément donner son nom, etc. L'important, c'est qu'elles puissent être entendues, écoutées et puis peut-être orientées si elles le souhaitent. Et on ouvre le volet sport avec le Stade Toulousain qui poursuit la transmission de sa philosophie de jeu, à savoir le rugby, à l'équipe du Good Luck ici en Guadeloupe. Les tout-petits peuvent bénéficier justement de leur technique et de leurs valeurs. Regardez. Ça fait 5 ans qu'on a la chance de recevoir des cadres du Stade Toulousain pour encadrer les plus jeunes. Donc cette année, on ouvre au moins de 8 et au moins de 10, ce qu'on ne faisait pas les années précédentes. Et puis aussi former les éducateurs qui souhaitent se perfectionner dans l'encadrement des jeunes. L'objectif, c'est de les aider à développer la formation des éducateurs. Notre philosophie de jeu qui est au Stade Toulousain, un jeu de mouvement, de vitesse. Et du coup, essayer de promouvoir ce style de jeu qui, on est sûr, fera que les gamins, les jeunes gamins de Lille pourront s'épanouir. On est ici pour leur apprendre le jeu à la Toulousaine, du coup un jeu dynamique, un jeu debout, où les gamins ils prennent du plaisir et ils jouent tout le temps non-stop, toujours avec la banane et en imitant les pros. Pour nous, c'est une vraie chance, c'est un support au quotidien, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont disponibles toute l'année pour nous donner des infos, des billes, qui partagent énormément de contenu et en même temps, c'est un soutien fort pour le club et que le Good Luck est heureux de faire partager. Ouais. Et les jeunes rugbymen guadeloupéens, ils sont très appliqués. Si on arrive à leur apporter cette façon de jouer, je pense que ça va donner des bons résultats et quelque chose de très intéressant. Il y a une bonne influence du rugby. Voilà. Guadeloupe Terre de champion dans toutes les disciplines, quelles qu'elles soient, même celles qu'on ne pratique pas encore. Vous aurez noté la participation quand même d'Haïti aux Jeux Olympiques d'hiver. On n'y aurait pas cru et pourtant, comme quoi. Et on poursuit avec Gaël Monfils qui a annoncé son forfait pour le match de barrage de la Coupe Davis qui aura lieu face à l'Équateur la semaine prochaine à Pau. Le dernier quart de finaliste de l'Open d'Australie a affirmé avoir besoin de repos suite aux probables effets secondaires dus à sa troisième dose de vaccin anti-Covid. Le numéro 1 français sera remplacé par Arthur Rinderknecht. Et on enchaîne avec la visite du président de la Fédération française de tennis en Guadeloupe et plus précisément au Gosier. La ville entend développer un centre de ligue et accueillir un tournoi ATP 250 quand même. Le reportage. Le regard, c'est d'abord une énergie folle, un enthousiasme. Et pour un président de fédération comme moi, trouver en face de moi quelqu'un qui a envie de construire, envie d'aider par l'intermédiaire d'un centre de ligue, parce que c'est quand même la base, c'est la formation. C'est ce qu'on fait dans nos clubs, c'est ce qu'on va faire dans ce centre de ligue qui mérite d'être rénové. Et puis derrière, éventuellement, un événement qui va permettre aussi à tous les jeunes de Guadeloupe de rêver à ce tournoi. Donc le projet global est très positif pour le tennis en général. Et nous, forcément, on va s'inscrire derrière à la fois la Ligue, Christian Forbin, qui est un président très dynamique, mais aussi derrière la mairie du Gosier et le projet du centre de Ligue. Ben déjà, quand je vois l'émulation de son arrivée à la mairie du Gosier, ça prouve déjà que Gosier est une ville phare et qu'on est vraiment
au centre du monde et c'est ce que nous voulons en créant la ATP 250 au Gosier. C'est vrai qu'il y a des compétitions à Miami, à New York, dans le monde entier et que pas mal de champions comme Djokovic, Nadal, Federer pourraient passer par le Gosier en quête de points ATP. Donc c'est vrai qu'il y a un double projet. Bien sûr, former les jeunes Guadeloupéens à devenir des grands champions de tennis, mais bien sûr, d'accueillir l'ATP 250 et voir peut-être demain monter ATP 500. Tout dépendra du succès que les Guadeloupéens mettront dans cet outil. Il appuie, il a décidé d'appuyer ce dossier de manière que nous puissions avoir un véritable centre de ligne. Et je remercie également le président de région, Harry Chalus, qui lui aussi a compris l'intérêt de cette discipline. C'est un sport éminemment touristique. Vous voyez, vous allez dans un aéroport, vous voyez tout le monde avec une raquette, ou avec, etc. Donc on peut jouer en famille, on peut jouer entre amis, c'est éminemment touristique. Et la Coupe de Ville Saint-Guadeloupe a montré que effectivement c'est une discipline qui est porteuse pour le tourisme en Guadeloupe. Et donc Cédric Cornet, avec sa nouvelle fonction au niveau de la mairie et de la CARL, a emboîté le pas et puis donc il appuie totalement ce projet. Et donc je ne peux être que ravi, bien entendu. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal revient demain à 18h30. En attendant, passez une bonne soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la Tranche Info sur Canal 10, le focus. Et ce soir, avec les jeunes de l'association Wibash, on parlera notamment d'eugénisme. C'est une nouvelle tendance, c'est un peu, on va dire, la suite logique du transhumanisme, ou bien c'est assez complémentaire, je trouve, l'eugénisme qui serait effectivement de la sélection génique pour obtenir des êtres humains on va dire, pas parfait, mais avec un maximum de capacités. Vous avez probablement vu ça dans des films, mais ça va arriver très prochainement dans la réalité. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à JL Desoutis, à Marie-Michel Green-Mistoko, à Jimmy Kamagouva-Alia, bonsoir à Nadir Jamela, à Patricia de Normandie, à Patricia Jacquet-Crétide, bonsoir à Wilma Blondeau, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Mouton Lucide, bonsoir à Dimitri Gobardan, bonsoir à Moïse Caramel, à JL Desoutis, bonsoir, bonsoir à Marie-André Cavaillon, bonsoir à Gaël Lacoma, bonsoir, bonsoir à qui d'autre, à Odile Zingilé, bonsoir à qui, à Patrice Antoine, bonsoir à Dominique Landry, bonsoir à Le Dimnofrappe qui nous dit, vu le projet autour du littoral pointois, pour les paquebots évidemment, faut y vendre la pointe et comme d'hab, bitin la caille fête sans Guadeloupéen. on verra bien, vous savez. Bonsoir également à Georges Messager, bonsoir à Odile Zingilé, bonsoir à Gaël Théophile, bonsoir, bonsoir, apparemment vous avez du mal à recevoir les notifications de Canal, on va voir ça, bonsoir, bonsoir à qui d'autre, bonsoir, bonsoir. À Greg Chant, en tout cas, bon, ouais. Oui, je rigole de vos commentaires, il y a de quoi quand même. On se quitte pour une page de pub et on revient avec l'association Wibash, notamment.